Parmi les noms des grands photographes du XXe siècle, il y en a un qui est considéré comme le père de la photographie africaine. Aujourd'hui, je vous parle de Seydou Keïta. Seydou Keïta est né en 1921 au Mali, à Bamako. En autodidacte, il apprend la technique photographique et devient artisan photographe. Il se spécialise dans le portrait en lumière naturelle avec une chambre 13 x 18 cm et photographie en noir et blanc. Non pas spécialement par choix, mais plutôt parce qu'il est difficile et coûteux de se procurer des films en couleur. Il ouvre son atelier en 1948 à Bamako. Son talent et sa technique photographique lui font rapidement rencontrer le succès et il devient un photographe reconnu. Dans Bamako, capitale de moins de 100 000 habitants à l'époque et même aux alentours, tout le monde connaît Seydou Keïta et va se faire photographier dans son studio. Il photographie toutes les tranches de la population, seul, en couple ou en famille. Il met à disposition de ses clients des vêtements, des accessoires et des objets divers afin qu'ils puissent avoir un portrait d'eux qui les met en valeur. Une photographie de soi est un bien précieux et les clients de Seydou aiment la qualité de ses photographies, mais aussi cet espace de liberté qui leur donne la possibilité d'exprimer leur personnalité devant l'objectif. Il fait de nombreux portraits devant des fonds en tissu et selon ses dires, même si parfois le fond semble parfaitement choisi, en réalité c'est un pur hasard car Seydou Keïta changeait son fond quand il était sale et non pas en fonction du sujet à photographier. La pose, elle, est maîtrisée. C'est lui qui positionne le corps des personnes qu'il photographie, des portraits iconiques qui montrent des individus et des personnalités. Et c'est important de le souligner, car jusqu'à là, la photographie africaine, c'était surtout la photographie coloniale qui montre l'homme africain non pas comme une personne, mais comme le représentant d'une ethnie. C'est pour ça que Seydou Keïta est considéré comme le père de la photographie africaine, car il est parmi les premiers photographes africains à montrer la personnalité de ses sujets avec talent, modernisme et inventivité. C'est un portraitiste qui maîtrise tous les aspects techniques de la photographie et de son sujet. Il y a un véritable intérêt sociologique dans ces photographies car elles constituent un témoignage visuel de la société malienne de la fin des années 40 à 70. Elles montrent l'évolution du Mali qui, à l'époque, est en route vers son indépendance. Ces portraits montrent une population qui désire et rêve de se moderniser tout en gardant le respect de ses traditions. Seydou Keïta devient connu dans tout le Mali et l'Afrique de l'Ouest, mais il devient connu en dehors de l'Afrique tardivement dans les années 90. C'est en 1991, à New York, lors de l'exposition Africa Explores, l'art africain du XXe siècle, que ses photographies sont remarquées. Après avoir enquêté pour retrouver l'auteur de ses photographies qui n'était pas signé, Seydou Keïta sera retrouvé à Bamako. Il est alors à la retraite depuis 15 ans. Il avait fermé son studio en 1962 pour devenir photographe officiel de la Sûreté Nationale du premier gouvernement de l'indépendance. Malheureusement pour nous, ces clichés ne sont pas consultables, a priori détruits dans un incendie lors du coup d'état de 1991. N'en reste pas moins de nombreuses photographies prises durant sa carrière de portraitiste qui seront exposées à travers le monde. Seydou Keïta meurt en 2001 à Paris et laisse derrière lui un héritage photographique inestimable. Un petit photographe de quartier qui s'est rapidement fait un nom et qui aujourd'hui est parmi les plus grands noms de la photographie du XXe siècle.